je suis Danielle Shelton, la directrice de la Société littéraire de Laval et de la revue d'art littéraire Entre vous. Nous sommes ce soir les partenaires de la Société nationale du Québec à Laval, qui est représentée pour le moment par Marianne Aragon, directrice de la Société de la SNQ Laval. Alors voilà. Et nous allons plus tard donner la parole à Michel Leduc de l'Assemblement, parce que l'Assemblement, c'est comme un sous-groupe, c'est un sous-groupe de la Société nationale du Québec, et c'est eux qui ont obtenu le soutien financier pour cette activité du ministère de l'Immigration, Francisation et Inclusion. MIFI, le MIFI. Voilà. Alors, je vous donne une idée du déroulement de la soirée et je vais le minuter parce que à 9h moins quart, il faut qu'on commence déjà à quitter les lieux. Donc, je vais vous présenter nos invités, Karim Akouche et Vania Jiménez. Oui, Michel arrive. Et ensuite, je vais leur donner la parole. Comment ça fonctionne? C'est un café littéraire très spécial où on a demandé à Vania de lire le livre de Karim et à Karim de lire celui de Vania. Et donc, une fois que je les aurai présentés, que je vous aurai résumé aussi le contenu de leur livre, ils vont causer. Après cette causerie, vers 19h45, on fera une pause collation. On a des biscuits, du thé. Et vous pourrez en même temps aller juste en face, rencontrer l'éditrice, l'adjointe à l'édition, des éditions Druides, qui ont publié les deux livres de notre invité, de nos deux invités. Alors, vous pourrez vous les procurer puis les faire dédicacer pendant la pause. Ensuite, on va procéder à des lectures croisées d'extraits des deux livres pour vous donner une meilleure idée. Et vous pourrez ensuite poser des questions à nos invités. Ça va? Alors, je commence avec Vania Jiménez. Bienvenue, Madame Jiménez. Médecin, romancière et mère de 7 enfants. C'est-tu vrai? Vania Jiménez a fondé avec l'une de ses filles le réseau La Maison Bleue, qui compte 3 centres de périnatalité destiné à venir en aide aux femmes et aux familles vulnérables. Tout naturellement, dans son livre « Un pont entre nos vérités », elle place la maternité et la filiation au cœur d'une quête identitaire où il est question d'immigration, de médecine et d'écriture. Elle est née au Caire de parents arméniens. Oui. Vous me reprenez si je fais des erreurs. Le récit rassemble des morceaux de sa vie dans une touchante saga familiale qui valse entre réalité et fiction. Si elle s'est beaucoup inspirée des événements de sa vie, donc elle a plus ou moins changé en fiction, c'est ce qu'on veut dire, on appelle ça de l'autofiction. Elle précise que ce n'est pas tellement les faits eux-mêmes qui sont calqués sur sa vie, mais la façon dont ils vibrent en elle. Son écriture explore ses racines que l'on porte au-delà des frontières et des générations et les clivages qui divisent inutilement en soi et entre nous. Très bref résumé de l'histoire, après la mort accidentelle de ses parents, Clara découvre des textes épars écrits par sa mère Marie-Louise Chamelian. Ainsi débute une quête d'informations qui lui permettront de trouver des réponses aux questions qui la traversent au sujet de sa propre vie de femme. Maintenant, je vous fais un résumé un petit peu plus long pour que vous puissiez plus facilement suivre ensuite la causerie. Alors, Marie-Louise Fernandez, née Chamelian, et son mari meurent simultanément dans un accident de voiture, plongeant leurs 7 enfants et nombreux petits-enfants dans le deuil. Au fond d'un placard dans la maison familiale qui doit maintenant être vidée, Clara tombe sur des textes rédigés par sa mère tout au fil de sa vie et dont elle ignorait l'existence. Elle y découvre l'arrivée à Montréal à la fin des années 60 de cette Égyptienne de lignée arménienne. À travers immigration, études, travail, amour, deuil et maternité, entre Montréal et Saint-Loup, un village du Québec, Clara retrouve la femme complexe qu'était Marie-Louise. Le temps faisant son œuvre de consolation, Clara se résout peu à peu à mettre aussi en ordre les textes de jeunesse de sa mère
levant ainsi le voile sur ce qu'elle fut avant eux, sa famille québécoise. À travers cette reconstitution rythmée par les étapes du deuil, c'est Clara elle-même qui se construit, alors qu'en parallèle, d'autres membres de la famille découvrent des documents qui leur font soupçonner l'usurpation d'une importante propriété familiale au Caire. Une minoterie florissante, le vaisseau sur lequel, après avoir fui le génocide des Arméniens, vogua la famille en Égypte. Karim. Si l'une est médecin, Karim, lui, est ingénieur de formation. Québécois d'origine kabyle, il a décidé de troquer les chiffres contre les lettres il y a plusieurs années pour devenir romancier, poète et chroniqueur dans les médias locaux et étrangers. Depuis, il a publié, ici comme ailleurs, plusieurs romans dans lesquels il transmet des valeurs humanistes. En parallèle, il a donné plus de 1000 ateliers d'écriture, notamment dans des écoles situées dans les quartiers défavorisés de Montréal et dans des classes d'accueil à Laval, au Collège du Mont de la Salle. Son leitmotiv, utiliser le pouvoir thérapeutique des mots pour atteindre, toucher et aider de nouvelles communautés culturelles. Je mentionne que le 16 octobre dernier, lors du lancement de notre revue Entre vous, le numéro 20, Patrick Coppens, qui est arrivé, a remis un prix qui porte son nom, le prix Patrick Coppens Entre vous, et il l'a remis à Karim Akouche pour un long poème, jusqu'alors inédit, Le Vagabond de Montréal. Ce que Patrick en a dit, couleur, naturel et vivacité, un riche et séduisant poème d'observation et de mémoire, d'instinct et de réflexion. L'œuvre d'un vagabond aux multiples racines. On a appris par la suite que Karim est aussi finaliste au prix Charles Biddle. C'est un prix qui souligne la part exceptionnelle de personnes ayant immigré au Québec et dont l'engagement personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique de la belle province. Il y a une bourse attachée à ce prix. C'est un prix qui est décerné par le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration du Québec, le même ministère qui finance la rencontre de ce soir. Alors, son roman maintenant. La musique déréglée du monde. Avec ce quatrième roman, Karim Akouche invente un langage et se libère élégamment des contraintes du récit classique. Porté par la voix épicée et attendrissante de son jeune narrateur, il entrecroise différentes époques et géographies. La musique déréglée du monde est une épopée universelle, à la fois tragique et baroque. L'auteur y explore un territoire blessé, où l'amour et la guerre s'affrontent et forgent les destins de personnages inoubliables. Sol est né dans la faille de l'histoire, c'est le jeune narrateur. Ses parents ont été assassinés dès sa naissance, sauvés par un vieux révolutionnaire, il vit avec lui dans le maquis. Pour l'aider à supporter les horreurs de la guerre, son grand-père adoptif l'initie à l'écriture de la poésie, lui récite des histoires fascinantes et lui promet de l'emmener un jour dans le pays imaginaire de l'ours blanc et du kangourou. Lorsque son protecteur est emprisonné, Sol se réfugie dans une ferme où, avec d'autres saltimbanques, il crée la troupe des artistes affamés pour défier les balles et le calme. Voilà. Alors, comme vous vous êtes lu, je vous donne la parole et vous laisse toute liberté de cette période de causerie entre vous. Vous avez vos micros pour ça.